Bonjour à Djibo, bonjour à Kongoussi, bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui décrypte tout nouveau chaque matin les faits et les événements marquants d'ici et d'ailleurs. Communication, médias, régulation sont au cœur de cette audience qui reçoit pour vous Abdulaziz Bamogo, président du Conseil supérieur de la communication CSC. Bonjour Monsieur le Président et merci d'honorer notre convocation. Je vous remercie également Monsieur le Président. Deux des juges de ce tribunal siègent aujourd'hui pour ces échanges sur les missions du CSC dans un contexte national marqué par des crises multiples. Bonjour juge Bernard Bouma. Bonjour Président Tomangui, bonjour juge Vahar, bonjour Madame Monsieur. Bonjour juge Bouma, bonjour juge Président Tomangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette troisième semaine de l'année 2023 sur la télévision interactive True TV, accessible sur la TNT nationale et sur la chaîne 254 de Bouquet et Canal+. Cette émission vous est également proposée en direct et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine, ainsi que sur nos plateformes numériques. Et voici pour ouvrir l'audience la séquence avant propos des juges. Avant propos des juges, c'est le juge Bernard Bougman qui s'y colle en premier. Merci. Deux avant-propos. Le premier avant-propos, très rapidement, je m'en étais fait l'écho de ce qui s'est passé au niveau du CAMES. Et dans un droit de réponse adressé d'ailleurs au journal Le Reporter qui avait également traité de cette affaire, il y a eu un rebondissement. Le CAMES dit ne pas se reconnaître dans ce qui s'est passé et se réserve également le droit d'ester en justice contre celle qui est en train de diffamer ou de salir son nom, c'est selon. Donc, c'est un bras de fer judiciaire qui s'annonce parce que la consultante également avait déposé une plainte contre le CAMES. Et donc, s'il y a une deuxième plainte, ça va être certainement une affaire de rapport de force entre, comme on appelle ça, c'est une plainte sur plainte, quoi. Voilà, donc la justice burkinabé, en tout cas, aura fort à faire. Donc, comme c'est une affaire qui est en plein rebondissement, je m'en étais fait l'écho, donc je revenais là-dessus pour donner la nouvelle précision par rapport au droit de réponse que l'institution a donné au niveau du bimensuel. Mon deuxième avant-propos, nous sommes en sport et c'est le stade du 4 août. Bon, disons tout, ça ne va pas. Quand les images ont été présentées hier pour les vestiaires, quand on a vu le dispositif, certains ont dit bon, c'est comme si c'était pour les salons de coiffure, et parce que ça ne va vraiment pas, il faut avoir le courage de le dire. En termes de finition, je pense qu'on pouvait faire mieux. Le Burkina a des artisans menuisiers qui pouvaient faire mieux en termes de rénovation et il y en a à l'appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Toujours est-il également que dans ce qui est annoncé, c'est que il n'y avait pas, c'était pas prévu, comme on appelle ça, une nouvelle piste d'athlétisme et une nouvelle pelouse. C'était pas prévu dans le projet initial de rénovation. Bon, c'est à ne pas comprendre. Où on fait un travail de fond, c'est-à-dire une évaluation de fond, parce qu'on ne peut pas, un stade, je pense qu'il a été inauguré en 84. Ouais. Voilà. Donc on retouchait en 98 en faveur de la CAN et ce n'est que maintenant que nous revenons pour une rénovation. Il faut dire que c'est des travaux grandeur nature parce qu'on a mis du temps avant de faire la rénovation. Le stade du Mali, c'est en 2001, mais la rénovation a eu lieu tout récemment parce qu'il ne faut pas laisser traîner. Autrement dit, c'est très cher. Donc si déjà on a évalué à 14-16 milliards, il y a beaucoup de bruit, et que certains dispositifs ne sont même pas pris en compte, il y a un problème. Pour le Félicia, je pense que la rénovation a coûté 65 milliards de francs CFA. Il y a des moyens à mettre, et il y a une qualité de résultat comme on appelle ça, à demander. Vivement que les choses se terminent bien, parce que si on est privé des matchs FIFA, CAF, depuis longtemps, et pour la reprise même, il y a déjà un problème, parce que je me pose la question dans ces conditions, c'est dans combien de mois encore ou bien dans combien d'années qu'on va dire nos stades ne répondent plus aux normes, et autant d'argent pour ça, je pense qu'il faut revoir les choses très rapidement. Il faut revoir les choses très rapidement, nous avons besoin de notre stade du 4 août pour que nos étalons jouent à domicile. Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos. Merci Président, c'est vrai que le dernier avant-propos de Bernard, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce qu'on ne comprend pas. Depuis 2019, on est encore en train de tourner en rond
sur cette question-là. Le nombre de ministres qui sont succédés et qui sont venus voir et ont promis qu'on va mettre un comité, on va mettre la pression, on va mettre la pression. Moi, je pense que quand même, à un moment donné, il faut être un peu plus sérieux que ça. Et il y a le ministre, lui, il est tout nouveau. Hein, donc, du coup, il y a beaucoup d'éléments qui ne lui incombent pas. Il disait hier qu'il n'est pas venu ici pour dire qui a fait ici, qui a fait ça, que le problème, c'est nous tous. L'essentiel, c'est qu'on puisse faire vite et qu'on puisse livrer ce stade-là. Il a même demandé pardon au Burkinabé pour ce retard. Il a employé un terme, il a dit c'est une honte. Mais c'est vrai, c'est une véritable honte. Quand on regarde, les Chinois nous ont livré ça en 81, on a inauguré en 84. Aujourd'hui, quand on vous cite les travaux, ça concerne les vestiaires et tout, là où les habits devraient être. Là où la presse devrait être, c'est ces éléments-là qui étaient, et puis beaucoup d'autres, je parle de la numérotation aussi des sièges et tout, mais je ne comprends pas que depuis 2019, on n'arrive pas à faire ça. Le ministre a dit, c'est vrai que le problème c'est tout le monde, mais j'ai dit, c'est ça là qui va nous tuer. Dire que tout le monde est fautif tout le temps, hein, c'est ça qui va nous poser des problèmes. Parce que c'est la meilleure façon de dire que personne n'est responsable. Il faut situer les responsabilités. Il faut situer des responsabilités et à un moment donné, il faut faire arrêter la récréation. Mais je comprends qu'il vient d'arriver. Ce n'est pas le moment de jeter l'anathème sur ceux qui étaient là avant et tout. Mais vraiment, c'est une véritable honte. Et puis, on ne peut pas passer, ça c'est un deuxième avant-propos, comme on a un invité, je vais aller très vite. Il y a quand même le président Ibrahim Traoré, le capitaine, qui était à l'université hier, qui a échangé de façon directe avec les étudiants. Je pense que pour ceux qui y ont été, ils ont vu que ça casse avec les présidents qui sont passés avant lui. Et l'accueil, l'intérêt même pour la rencontre, il y avait quelque chose de vraiment fort différent. Et ce qu'on peut lire, c'est que c'est quelqu'un qui a encore un capital sympathie énorme, ça il faut le reconnaître. Maintenant, comme le sujet sera enrôlé demain, je vais m'arrêter là. Alors on va en parler demain. Hein, voilà, là, vous avez devant Siligouane dans l'eau. On va en parler demain, mais je vous le disais tantôt, c'est la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, avec à la barre des convoqués Abdulaziz Bamougo, président du Conseil supérieur de la communication. Après la séquence avant-propos, la parole est à vos juges pour leurs questions de généralité. On commence toujours par vous, Bernard Bouma. Merci, président. On a vu la longue crise que le CSA a traversé. C'est d'abord un intérim de près de 8 mois que vous avez assumé. Tout à fait. Et il y avait des conseils qui devaient être remplacés. Donc il y avait effectivement des creux qu'il fallait rapidement combler. Et donc à l'arrivée de Damiba, les conseils ont été pourvus. Rapidement, une élection a été organisée, mais la machine s'est grippée. Bon, c'est vrai qu'elle a été dégrippée, mais aujourd'hui, est-ce que tout va bien dans la maison? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également au juge de me recevoir. Et je voudrais, avant de répondre à la question du juge Boukman, que vous me permettez d'utiliser votre plateau, comme nous sommes en début d'année, pour souhaiter une bonne et heureuse année 2023 à l'ensemble de nos concitoyens, et particulièrement aux acteurs du secteur de l'information et de la communication. Je souhaite que, pour cette année 2023, que notre activité, à nous tous qui sommes impliqués dans le champ de la communication, que notre activité aide notre pays à sortir de cette crise et de ce défi sécuritaire qui nous tient à la gorge. Je voudrais aussi profiter pour vous dire merci à vous, pas particulièrement aux acteurs de votre tribunal, mais à l'ensemble des médias et des organisations professionnelles des médias, pour votre implication heureuse dans l'issue de la crise dont parle le juge Boukman. Pour votre plateau particulièrement, nous avons suivi plusieurs fois des avant-propos qui parlaient de cette question-là et qui interpellaient les acteurs pour que justice soit faite, mais surtout pour que l'institution soit rétablie afin qu'il puisse jouer son rôle dans le cadre de la République. Donc, je tenais à vous en remercier. Je pense que vous êtes dans votre rôle. Je me présente l'émission à cette situation. Okay. C'était le 25 novembre dernier, okay, lors du plateau du tribunal de l'actualité. Ben, félicitations et soyez-en remerciés. Et pour l'élément en question, bon, je dois dire qu'aujourd'hui, vraiment tout est rentrer dans l'ordre. Tout est dans la machine, est en ordre de travail. Les conseillers tiennent les sessions régulièrement. L'ensemble de notre personnel est vraiment au travail, surtout qu'ils ont été
grandement éprouvés par cette situation de latence de l'institution. Et nos partenaires aussi, que j'ai eu l'honneur de rencontrer il y a quelques jours, les organisations professionnelles des médias, du secteur de la publicité, ils nous ont dit leur engagement à accompagner l'institution dans cette relance. Donc vraiment, nous rendons grâce et nous sommes vraiment dans cette disposition-là à pouvoir apporter notre contribution dans le champ des institutions de notre pays. Est-ce que le conseiller participe au conseil? Oui, presque eux tous. Presque tous, voilà, qui ne participent pas. Oui, mais bon, regardons ceux qui participent, ils sont beaucoup. Ils sont la majorité. Monsieur le Président, le nombre de conseillers est connu. Donc, s'il y a des absences également, c'est connu. Oui, bon, il y a 9 et il y en a 8. Il y a 8 qui sont. Donc, je pense que, bon, c'est l'essentiel, oui. On est largement au-dessus du quorum. Et l'engagement de ces 8-là, c'est vraiment pour apporter leur contribution. Depuis le début, ils sont pleinement dans les actions que nous avons déterminées. Et il n'y a vraiment pas de problème, les choses se passent correctement. Et votre challenger qui vous a resté pratiquement d'ailleurs en justice, est-ce qu'elle participe aux sessions? Oh, faut laisser à faire des... Regardons ce rôle. Nous avons proposé sur vous deux. Je pense que ce sont des épisodes qu'on ne peut pas éviter dans des institutions comme les nôtres où on est appelé un peu à se challenger pour choisir le premier responsable de l'institution. Ce genre de difficultés-là ne peuvent pas être évitées. Maintenant, ce à quoi je pense, et là où je suis vraiment d'accord dans vos différents avant-propos que j'ai suivis, c'est qu'une fois que on s'est mis en élection et qu'on a choisi un, ayons la force, ayons cette puissance personnelle en nous là, de nous mettre en rang derrière celui qui a été choisi pour mener la mission. Une fois que la justice est saisie de la question, a tranché, a dit voilà celui qui doit, mettons-nous en rang. Et ça demande qu'on ait vraiment de la capacité. Nos difficultés qu'on a dans le pays là, ne cherchons pas de bouc émissaire ailleurs. Nous-mêmes là, comment est-ce que nous nous saisissons de nos problèmes pour pouvoir les résoudre? Ici, la question c'est vraiment ça. Et c'est pourquoi que je m'attache à dire, s'il y a 8 qui se mettent au travail pour que l'institution marche, pour que la mission soit accomplie, concentrons-nous sur ça et puis avançons. Et puis avançons, vous voulez donc laisser cette affaire derrière? Oui, c'est la soirée. Est-ce que vous tendez quand même la main à cette personne et quelle disposition? Oui, ça on l'a fait maintes fois. Je pense que vous-même en le disant au fond de vous, vous me connaissez, vous savez que c'est vraiment l'état des choses. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais je pense aussi que quand il y a ces gens de difficultés, les gens ont besoin d'un peu de temps quand même pour, voilà, et puis donnons ce temps-là, acceptons qu'on ait, voilà, ce temps-là, et puis bon, voilà. Entre-temps, il y a 8 qui font vraiment à fond le travail. Rendons grâce. Rendons grâce, il y a 8 qui font le travail, juge Geoffroy Vara. Question de généralité. Oui, dans les généralités, c'est vrai que je pense que le président est un peu gêné quand on parle du passé, vu qu'on aille très vite dans la perspective. Mais c'est notre institution aussi, hein, quoi qu'on dise, le CSC, c'est notre gendarme. Non, on n'est pas des gendarmes. C'est notre régulateur. Je savais qu'il allait corriger. C'est rare d'aimer son gendarme, hein. Mais c'est notre gendarme. Mais quand on regarde dans ce qui s'est passé à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et c'était, il y avait vu un genre de volonté du pouvoir central de pouvoir contrôler l'institution. Est-ce que à un moment donné, ça a été cela? Mais je pense qu'il y a, quelque chose comme une compréhension qu'il faut clarifier. Bon, les situations d'instabilité sont toujours très difficiles. Vous savez, quand il y a de nouvelles autorités qui arrivent, qui n'étaient pas dans la gouvernance, qui arrivent du jour au lendemain au pouvoir, il faut pratiquement tout leur expliquer dans ce qui aide la mission des différentes institutions. Ils ne connaissent pas. C'est ça la vérité. Donc je pense peut-être que les explications qui leur ont été données n'étaient peut-être pas les bonnes. Qu'une institution comme le CSC, c'est peut-être qu'on leur a expliqué que c'est le chef de l'État qui doit choisir le président de l'institution. C'était vrai par le passé. Les premières expériences du Conseil supérieur de la communication, c'était le chef de l'État qui choisissait. Mais il y a eu des réformes sous le leadership de la présidente Béatrice Damiba, dont je salue l'immense travail pour les réformes de qualité qui ont été menées au niveau du Conseil supérieur de la communication, qui ont décidé que désormais,
On envoie les conseillers et ce sont les conseillers eux-mêmes qui élisent leur président et leur vice-président. C'est ce qui a été fait depuis la présidente Nathalie Sommé et avec Mathias Tankwano également. Même si à ce niveau-là, bon, on a eu un consensus assez fort pour ne pas aller aux élections et choisir ensemble le président. Mais c'est ce que disposent les textes, qu'ils choisissent. Maintenant, quelque chose peut se faire peut-être en amont en termes de concertation, d'explication et d'accord pour pouvoir s'entendre sur quelque chose. Bon, peut-être que les compréhensions, les explications qui leur ont été données n'ont pas été forcément les bonnes ou leur façon de manœuvrer n'a pas été forcément celle qui aurait aidé à trouver un consensus au niveau du collège. Bon, moi c'est comme ça que je lis la chose. Hein. Maintenant, après, ce que je me suis dit, c'est que oui, même quand il y a eu ça, après quand on a voté, après quand la justice a tranché, il faut y aller. Il faut y aller. Voilà, c'est ça quoi. Juge Jofama. C'est bon. Alors, c'est une institution, le CSC, nous recevons son président, il s'appelle Abdulaziz Bamogo. Cette institution a été créée par décret en avril 1995. D'abord, sous l'appellation de Conseil supérieur de l'information. Il est devenu donc Conseil supérieur de la communication CSC. C'est l'instance de régulation des médias au Burkina. Il intervient notamment dans le bon équilibre et l'information de la publicité, mais aussi dans la gestion des médias en matière électorale. Alors, pour démarrer cette audience, Monsieur le Président, même si on l'a déjà démarré, comment le CSC appréhende-t-il ses missions dans le contexte sécuritaire et sociopolitique difficile que traverse actuellement le Burkina? Merci beaucoup. Je vais partager avec mes collègues du Collège des conseillers, mais aussi avec ceux de l'administration du Conseil supérieur de la communication, ma vision sur la façon dont on doit embrasser le travail dans cette période difficile de notre pays. Je leur ai présenté ma vision qui, sur deux axes. Je pense qu'il est important pour nous de pouvoir travailler sur un axe qui cible les médias professionnels comme vous, travailler à ce que ce soit des médias forts et responsables. Fort, ça veut dire qu'ils ont une capacité d'impact plus élevée. Et ça, je considère le fait qu'il y a le développement de nouveaux médias qui ne sont pas forcément des professionnels, qui ne sont pas forcément des gens qui travaillent dans une certaine éthique et une certaine déontologie. Si on laisse ces acteurs-là prendre le dessus sur les médias professionnels, il va sans dire que l'opinion publique ne va pas être suffisamment éclairée par une information de qualité. Donc, en tant que régulateur, il est bon pour nous de travailler à donner plus de puissance aux médias professionnels pour que ce soit eux qui influencent véritablement l'opinion publique nationale. Le deuxième axe a trait à nos concitoyens, à l'ensemble du public. Parce que ce que je me suis dit, c'est que aujourd'hui, eu égard au développement des réseaux sociaux, de l'Internet, mais aussi des émissions d'expression directe que vous avez sur les différents médias, les citoyens sont devenus de plus en plus des producteurs de contenu médiatique. Donc, même si les médias professionnels, même si les journalistes font un travail de qualité, ça ne va pas suffire si à côté, l'attitude et les pratiques de nos concitoyens sur les réseaux sociaux et dans les émissions d'expression directe ne sont pas des attitudes, ne sont pas des pratiques citoyennes. Donc il nous faut également accompagner nos concitoyens pour qu'ils aient des pratiques citoyennes dans l'espace numérique et sur les médias et de façon générale. Donc voici le deuxième axe qui donc nous conduit à mener l'éducation aux médias et aux citoyens et à l'information à l'endroit de nos concitoyens, à les sensibiliser sur la question par exemple des discours de haine, à leur dire qu'il faut faire attention. Ce que vous dites, ça peut aider notre pays qui est dans une situation de fragilité. Mais ce que vous dites, si vous ne faites pas attention, c'est vos propres mots qui vont davantage fragiliser le pays. Donc ce sont les deux axes. Sur le premier axe qui me paraît qui est vraiment le premier le plus fort pour moi, je compte travailler avec les médias professionnels à renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Je pense que le défi aujourd'hui dans la régulation, ce n'est pas les médias professionnels. Je pense qu'à ce niveau-là, ils ont une certaine maîtrise et un certain niveau de respect de l'éthique, de la déontologie et de la loi qui est assez intéressante, qui aide beaucoup le pays. Par contre, là où il y a vraiment problème, c'est sur les réseaux sociaux. Là où émergent de nouveaux acteurs qui ne s'encombrent pas
de ces différents cadres réglementaires et législatifs. Et donc, moi, je voudrais que, avec les médias professionnels, on travaille ensemble à renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. La nature a horreur du vide. Si eux ne sont pas sur les réseaux sociaux pour donner la bonne information, c'est l'information qui est de mauvaise qualité là qui va nourrir nos concitoyens. Et deuxièmement, les accompagner à s'investir davantage dans le fact-checking. Ce que je veux dire, c'est que vous, en tant que professionnel de l'information, vous devez désormais intégrer dans votre mission le fait qu'il vous incombe de lutter contre les fake news. Vous dites que votre mission, c'est d'éclairer l'opinion publique. Mais ces fake news-là, ça obscurcit l'opinion publique. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dire seulement, nous, on a pour mission de donner des informations qui éclairent. Mais si vous donnez des informations qui éclairent et qu'il y a quelque chose qui vient pour empêcher cet éclairage-là, mais vous devez vous battre contre cet éclairage-là. Donc moi, je voudrais travailler avec les médias professionnels pour qu'ils s'investissent davantage dans le fact-checking. Et pour ce qui est du contexte de la crise sécuritaire dont vous parlez, c'est de travailler avec vous pour mettre en avant la responsabilité sociale des médias. C'est dire que le contexte est particulier, il est singulier et il est difficile. En situation normale, notre réalité démocratique donne beaucoup de liberté à la presse. On les considère comme des responsables. Et dans le fond, le fait qu'on fait de la régulation des médias, ça signifie qu'on veut les laisser gérer leur activité en toute responsabilité. Mais le contexte est singulier, le contexte est particulièrement difficile. Et dans ce sens-là, nous, en tant que régulateurs, avec l'appui des organes d'autorégulation, ce que nous faisons, c'est attirer votre attention sur le contexte difficile et vous dire que dans ce que vous allez faire, à tout moment, il faut considérer l'effet de ce que vous allez faire sur la fragilité de notre pays. De sorte que votre activité ne fragilise pas davantage le pays, mais aide à ressouder et à rendre le pays encore plus fort, à nous rendre plus forts ensemble. Alors, à nous rendre plus forts ensemble, c'était un aperçu général de la situation, Bernard Boukman. Oui, mais quand vous parlez de fake news, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà. Donc, vous dites que l'ambition, c'est d'accompagner les médias classiques. C'est ça. Comment on appelle, on les appelle les médias traditionnels, d'ailleurs. Donc, à pouvoir... Mais en fait, chez nous, ici, chez les Occidentaux, quand ils disent médias traditionnels, ça se comprend plus facilement. Mais chez nous, ici, quand on dit médias traditionnels, on peut entendre par ça, genre les griots, les outils de notre tradition à nous. C'est pourquoi bon, certains préfèrent utiliser le mot média classique. Voilà, pour parler de la radio, la télévision, la presse écrite et la presse en ligne. D'accord. Alors donc, s'il faut compter sur ces médias, vous dites que c'est d'accompagner ces médias-là à travailler beaucoup plus pour le fact-checking, donc oui, oui. La vérification et la confirmation des faits. Alors ici, c'est comment est-ce que ça va se faire? Parce que c'est deux questions. Donc après, je reviendrai avec la deuxième question. Okay. C'est dire que il faut dans un premier temps accompagner vos différents médias en termes de capacitation de leurs acteurs. Ces phénomènes de fact-checking, c'est de choses de fake news, c'est une nouveauté. Ça a surpris tout le monde, y compris même le législateur. Nos textes ne prennent pas véritablement en compte ces éléments-là. Même nos textes déontologiques, par exemple nos textes d'éthique et de déontologie, on doit pouvoir les dépoussiérer et les mettre à jour au regard de ces réalités nouvelles-là. Donc nous, on voudrait pouvoir accompagner les médias, notamment les journalistes, les animateurs, sur comment est-ce qu'ils font ce travail-là. Et ce que nous avons en vue, c'est de voir notamment avec les écoles de communication que nous avons au Burkina ici, comment on les accompagne dans le développement d'un certificat professionnel orienté sur ces questions-là. Deux aspects. Premièrement, la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux. Parce que vous, aujourd'hui, vous savez comment diffuser l'information sur la télévision, à la radio. Mais si on vous dit de diffuser de l'information sur une plateforme de réseaux sociaux, ce n'est pas ce que vous avez appris. Ça demande une connaissance technique nouvelle. Nous, on veut pouvoir accompagner dans ce sens-là. Et deuxièmement, faire ce fact-checking-là, ça demande des compétences nouvelles. Nous voudrons que ce certificat-là aide nos journalistes à pouvoir l'avoir. On est en train de travailler là-dessus. L'idée, c'est que si on arrive à développer ce certificat, ça peut permettre à n'importe quel journaliste de pouvoir aller s'inscrire. Ça peut permettre à n'importe quel média d'envoyer ses journalistes aller s'inscrire. Et pour le CSC, notre rôle sera de mobiliser des moyens pour envoyer un certain nombre de journalistes appartenant à la plupart de nos médias
pour aller à acquérir ces compétences-là, pour venir les mettre en œuvre dans le cadre de leurs médias. Ok, d'accord. Maintenant, la question que je dis, c'est sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, ici, vous, le CSC s'en occupe, c'est beaucoup plus le procureur. Donc, c'est ça aussi. C'est ça. Les diffuseurs de fausses informations. Oui. La question, c'est on en fait quoi? C'est vrai que quand le CSC arrive toujours sur les plateaux, dit bon, c'est pas notre boulot, oui, c'est vraiment la justice et le procureur. Mmh. Mais est-ce que vous ne travaillez pas en tandem? Si, on doit travailler en tandem. Nous sommes en train de travailler à développer dans les jours à venir une campagne de communication pour informer nos concitoyens et surtout les sensibiliser sur la saisine du Conseil supérieur de la communication. Mais on le sait déjà, beaucoup d'éléments de saisine ne vont pas relever du ressort du Conseil supérieur de la communication. Mais il faut pouvoir les enregistrer, les transmettre à qui de droit et notamment au procureur. L'élément clé ici, c'est de dire que il faudrait pas laisser l'espace numérique là comme un espace de non-droit. Le principe, c'est de dire que ce qui est interdit dans la vie réelle, ce qui est interdit dans la vie physique là, l'est aussi dans l'espace numérique. Donc si quelqu'un commet une infraction dans l'espace numérique, si cette infraction-là relève de la justice, du droit commun, même si nous on en a connaissance, on traduit ça, on transmet ça au procureur pour qu'il s'en saisisse et que, pour que justice soit dite. Oui, Geoffroy Barra. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et pour moi, est-ce qu'il ne faut pas être courageux pour, dans ce qui est de votre champ, l'élargir aux réseaux sociaux? Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, moi, pour nous, les réseaux sociaux sont le prolongement de nos médias. C'est ça. Parce que les réseaux sociaux, c'est la virtualisation, quoi qu'on dise, exactement, de ce que nous avons comme relation sociale et tout. Mais en même temps, parce que le monde y est, le média qui a pour vocation à être regardé et avant sa capacité à être regardé, va y chercher aussi donc des capacités de mobilisation. Oui, oui. Et donc ce qu'il a comme contenu avec l'éthique et tout ce qui va avec, il y va sur les réseaux sociaux avec de la même façon. Tout à fait. Mais quand on part sur les réseaux sociaux, nous devenons un média social au même titre qu'une personne qui a comme nous ou plus que nous, c'est ça, un nombre de personnes qui l'a mobilisé. C'est ça. Et lorsque lui donne une information fausse, il n'est pas traité au même titre que nous sur le même espace. C'est ça. Vous nous suivez jusque sur les réseaux. Tout à fait. Et quand on y arrive, vous les laissez. On vous lâche pas. Alors que les fabricants de mauvaises informations, c'est des gens qui suivent les réseaux sociaux, quelquefois sont même plus puissants que les médias. Tout à fait. Est-ce que, je dis, limiter votre champ d'action ainsi, ce n'est pas mauvais, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis, premier élément, je voudrais saluer votre lecture du fait que le réseau social, c'est une sorte de virtualisation de notre espace physique réel. Bon, vraiment, j'aime beaucoup ça et je pense qu'il faut qu'on travaille avec les médias à les amener à comprendre la chose comme ça. Parce qu'il y en a qui, jusque-là, considèrent le réseau social comme un média concurrent. Voilà. Donc, du coup, ils se méfient d'y aller. Il cherche plutôt à attaquer, à déstabiliser, je ne sais pas, à décrédibiliser cet outil-là. Alors que, à mon sens, et je pense qu'on est plus juste à considérer la chose comme ça, c'est nos populations sont là-bas. Donc si en tant que journaliste, on doit éclairer nos populations, il faut qu'on soit où nos populations y sont. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'analyse. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'on doit travailler même à ancrer ça davantage auprès des médias. Sur la question que vous posez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais deux choses. Premièrement, n'acceptez pas qu'on vous mélange avec les autres. Voilà. Vous êtes différent, même si on arrive sur cet espace-là, même sur le fait que lui, quand il publie des fausses informations, ça lui fait de l'audience, ça lui fait du buzz, autre chose. Ne cherchez pas à envier ça. Ce qui va sauver notre profession, c'est notre capacité à nous démarquer de ces acteurs-là. C'est-à-dire, même s'ils engrangent une certaine réputation sur la base du fait qu'ils diffusent des informations sans les vérifier, après, on se rend compte que c'est des fausses informations. Mais ils ont cette réputation-là. Vous ne cherchez pas à faire autant. Restez vous-même. C'est ça qui va sauver la profession. Parce que si vous manquez d'être vous-même et que vous commencez à copier leur façon de faire sur les réseaux sociaux, vous allez diluer
le journalisme. Vous allez diluer la profession de journaliste. Parce que ce qu'on va voir, les erreurs qu'on va voir qu'eux font, ce qu'on leur reproche, on va commencer à vous reprocher. Donc vous devenez exactement la même chose. Donc ce que je voulais vous dire, c'est ne les suivez pas. Restez égal à vous-même. Ces principes d'éthique et de déontologie qui vous tiennent quand vous êtes dans votre espace professionnel, là, quand vous allez sur l'espace numérique pour partager des informations, restez attaché à ces principes-là et démarquez-vous d'eux. Oui, si monsieur le Président, quand même, la plupart des médias respectent ces règles-là. Oui, tout à fait. Même sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Ils ne suivent pas, ils ne suivent pas les personnes tout qui à sont fait. Mais et qui question, diffusent des fausses informations. Mais le fond de la question qu'il pose, c'est que, en fait, celui qui ne respecte pas ces normes-là, ces règles-là, en profite pour se faire une forte réputation. Alors que lui, en respectant ça, il diffuse une information qui ne crée pas un émoi particulier dans l'espace numérique. Mon idée profonde, oui, c'est de dire que lorsqu'on quitte le physique pour le virtuel, pour moi, c'est des médias. Oui. Je me dis, vous devriez pouvoir, dans votre champ d'action, qu'on puisse viser. On puisse les... C'est ça que je dis. Oui, oui, je suis d'accord. Je veux dire, vous pouvez faire aussi la régulation des réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous. En fait, dans l'espace, dans le champ des médias à l'international, c'est une réflexion clé. Hein. C'est de dire que aujourd'hui, si nous régulons Watt FM, alors que Watt FM, au jour, touche par exemple, je dis chose à X population, et pourquoi nous ne régulons pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui touche X fois 100, X fois 1000 populations? Ça veut dire qu'il n'y a pas. Ça, à la lumière, on allait dire, à la limite, on allait dire que ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens. Et c'est pourquoi il faut réfléchir là-dessus. Les réseaux sociaux, jusqu'à aujourd'hui, sont considérés comme un espace de communication personnelle, privée, entre des individus. J'ai un groupe d'amis qui me demande d'être ami, je valide et on communique entre nous. Cet aspect-là fait que c'est de la communication privée. Voilà. C'est des espaces privés. Alors que dans les espaces privés, on ne veut pas que les gens viennent mettre la communication privée dans un espace public. Non, puisque le virtuel est devenu une plateforme mondiale. Oui, mais c'est tout à fait. Donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc il y a des espaces de liberté privée dans les réseaux sociaux. Il faut regarder ça, il ne faut pas chercher à empêcher ça. Maintenant, le fond de la question, c'est de dire, et c'est là, c'est ce à quoi il touche. Si quelqu'un a une audience plus que les médias, pourquoi on ne va pas le réguler? Bien sûr, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et la réflexion se mène dans beaucoup de pays. Ils ont établi un certain nombre une limite, en disant, par exemple, que si tu as telle quantité de suiveurs, on estime que tu restes encore dans ton espace privé. Mais quand tu dépasses ça, on estime que tu n'es plus dans le privé, tu es dans un espace public et tu es régulé au même titre que les médias. Ça, c'est par exemple en Côte d'Ivoire, il y a à peine 2 semaines de cela, ils viennent de promulguer leur loi qui dit désormais que si sur les réseaux sociaux tu as plus de 25 000 suiveurs, tu es régulé au même titre que les médias professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'applique l'éthique, la déontologie professionnelle ainsi que la loi sur les médias. Beaucoup de pays sont dans ce sens. Je pense que si nous... La réflexion est engagée. Je pense que c'est le gouvernement qui a l'initiative des réformes. Nous, on peut peut-être donner notre éclairage là-dessus, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Pour moi, en tout cas, je pense que ça n'a pas de sens de réguler un média qui a une certaine quantité d'audience et de ne pas réguler quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, a une influence plus grande. Parce que le sens de la régulation, c'est de dire que ce média-là influence l'opinion publique de notre pays. Donc on ne peut pas laisser son contenu comme ça. Mais si un individu sur les réseaux sociaux a plus que cette influence, ça a quel sens qu'on le regarde comme ça et que surtout il diffuse des informations qui peuvent porter atteinte à la stabilité du pays ou au droit
choix des individus. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, engageons la réflexion. Je pense que le gouvernement aussi, sur cette piste de réflexion, nous, en tant que régulateurs, on ne peut faire que donner notre avis, donner des conseils, peut-être des orientations, mais c'est le gouvernement qui a l'initiative des réformes. Alors je rappelle à l'attention de nos auditeurs qui nous suivent sur Ouate FM que nous recevons aujourd'hui au tribunal de l'actualité Abdulaziz Bamogo, c'est le président du Conseil supérieur de la communication. Et je vois que le juge Bernard Bougma veut intervenir, mais sur cette question, il y a des pays qui ont légiféré carrément sur la question. Tout à fait. On a par exemple le code numérique au Bénin. Oui. Est-ce une option que l'on peut choisir au niveau du Burkina pour élaborer un document qui encadre et recadre en fait cette situation? C'est ce que je dis. Et je dis, nous, au niveau de. En tant que. Moi, personnellement, en tant que président du Conseil supérieur de la communication, je dis, il faut réfléchir. Ça n'a pas de sens que je régule un média qui a 500 000 lecteurs. Et puis, je ne régule pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui a... Un million de fois. Je dis, il n'y a pas de sens. Parce que celui-là, s'il commet une erreur, s'il diffuse une... Et surtout que lui, il y a potentiellement beaucoup de chances qu'il diffuse de mauvaises informations. L'effet de son erreur est tellement immense sur le pays que je ne vois pas pour quelle raison on n'a pas ce regard-là là-dessus. Mais derrière... Et c'est là où il faut regarder, il faut mettre un quota, parce qu'on ne peut pas réguler tout. Tout le monde. Aujourd'hui, on est à 2 millions de comptes Facebook, donc. Voilà, d'acteurs sur la plateforme Facebook, par exemple. Le CSC ne peut pas regarder, ça va être difficile. Par contre, si on met un nombre, on dit ceux qui ont plus que ce nombre-là, on estime que maintenant, ce n'est plus une communication privée, c'est désormais de la communication au public. Et donc les intégrer dans le champ de la régulation. Dans le champ de la régulation, voilà. Publique. Abdul Aziz Bamogo, président du CSC, notre invité et notre convoqué du jour sur le tribunal de l'actualité. Oui, les Ivoiriens même sont allés plus loin. En rendant même les médias responsables de commentaires, les internautes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous publiez What FM, TriCV donne une info, quelqu'un vient commenter durement ou bien donne. Donc le média même est tenu pour responsable des propos de ces derniers. C'est ça. Donc le ton est durci vis-à-vis des médias. Non, c'est l'appel à la responsabilisation, à la responsabilité. Ça veut dire tout simplement... On appelle le média à la responsabilité, mais le citoyen... Voilà. Parce que Oui, en fait, c'est ça aussi le fond de la régulation des médias. Lorsque nous régulons, nous ne pouvons pas réguler les citoyens qui interviennent dans ce champ médiatique. Par exemple, sur votre média, si un citoyen intervient et qu'il dit des choses qui sont déplacées, nous, on ne peut pas interpeller ce citoyen-là. Mais vous, c'est pour ça qu'il y a des modérateurs. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le moyen d'application de la responsabilité sociale des médias. Nous, on ne peut pas interpeller le citoyen en question, mais nous, on peut vous interpeller. C'est vous que nous régulons. Nous, on vous dit, ce genre de choses ne doivent pas passer sur les médias. Ce que les Ivoiriens ont fait, et merci au juge Bougma de le rappeler, ils disent que même si le fora les cite des choses, s'il y a des discussions, vous devez faire de la modération de ces discussions-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter que tout et n'importe quoi passe. Vous devez regarder ce qui n'est pas conforme à la loi, aux règles, vous devez les enlever. C'est de votre responsabilité. Si vous laissez que quelque chose passe et que cette chose-là est en contradiction avec la loi, vous allez assumer les responsabilités. C'est comme si c'est vous qui l'avez publié. Et moi, je pense qu'il y a de la logique là. Il y a de la logique là-dedans. C'est pour toi la page sur laquelle on mène la discussion. Si quelque chose n'est pas bon, c'est à toi de l'enlever. Si tu laisses passer, ça veut dire que tu es en accord avec ça. Donc tu viens assumer, tu viens répondre quand il y a problème. Oui, en fait, moi, je suis d'accord avec cette chose. Parce que si quelqu'un, effectivement, utilise votre canal pour diffuser de fausses informations, pour commettre de la diffamation et vous laisser, c'est comme si effectivement vous êtes d'accord avec ce que la personne dit. Mais dans le cas du Burkina, sur le numérique, c'est du laisser-aller. Parce qu'on a un procureur également qui régule, parce que vous dites que c'est le procureur. C'est ça. Bon, le procureur, je ne sais pas, il dit qu'il n'a pas de moyens pour le contrôle, je ne sais pas moi, mais quoi qu'il en soit. Mais quand on regarde, c'est pas gay par moment. Donc quand on les charge, quand on en parle, bon, ils se fâchent, ils disent que nous, les livres à la vindique populaire. Non, alors que c'est une réalité aussi qui est là. Ouais, mais je pense qu'il y a question aussi des moyens. Parce que si vous prenez les réseaux sociaux, on disait tout à l'heure qu'il y a 2 millions d'utilisateurs. Si vous prenez les propos qui causent problème, je pense qu'il y en a beaucoup.
si vous dites au procureur de pouvoir gérer chacun de ces éléments, c'est pas simple. Je pense qu'il doit avoir actuellement sur lui une tonne d'éléments qu'il doit éplucher. C'est pas simple. Je pense qu'il faut peut-être trouver les moyens de faire des réformes, mais de renforcer aussi les moyens de tous ces acteurs-là. Si on arrive à faire les réformes et que même le CSC, on pense que le CSC doit s'occuper de quelque chose dans ce sens-là, il faut qu'on renforce ses capacités. Je veux dire que nous, si on doit faire les réformes et puis nous attribuer quelque chose dans ce sens, on va dire, attendez d'abord, donnez-nous les moyens. Oui, parce que ça va être, on risque d'avoir le même problème que le procureur. Si on n'a pas suffisamment de moyens en termes d'outils techniques, en termes de personnel qualifié, vous allez nous attribuer la charge, mais on ne pourra pas faire un travail de qualité. Donc je pense qu'au niveau de la justice, c'est ça aussi qui pose problème et qui envoie peut-être, qui amène peut-être ces acteurs-là à faire une sorte de sélection pour traiter les cas les plus durs, les plus difficiles. Bon, les autres sont en latence, mais je pense, pour moi, c'est beaucoup plus ça qui est le problème. Les moyens techniques pour le suivi et la répression éventuellement. Il faut qu'on se donne les moyens pour réguler ce secteur, parce qu'il y a beaucoup de discours qui polluent l'espace public. Je vous prends un mot, les discours qui polluent l'espace public. Mais vous dites que le journaliste, c'est celui aussi qui doit travailler à faire la genre de contrebalance et imposer la vérité. C'est ça. Mais la vérité, le journaliste, lui, va la chercher, il la traite et puis il la donne. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'associations et de regroupements de journalistes a déjà mis le doigt sur un problème, l'accès à l'information. Mais aujourd'hui, ceux qui sont même nos autorités ne nous facilitent pas la tâche. Je prends le cas des conseils des ministres où nous sommes devenus des diffuseurs. Vous n'allez pas là-bas, on vous envoie des vidéos qu'on a bien montées et puis on vous demande de faire ce que vous pouvez en faire. Entre-temps, je ne sais pas, Bernard, je vous prends à témoin, peut-être que ma mémoire n'est pas bonne. On n'a pas encore de rencontre comme ça entre journalistes et ministre sur certaines questions, comme on l'avait à un moment donné au SIG, qui nous permettait de poser des questions sur les réalités de l'heure, sur certaines actualités. Donc du coup, ce n'est pas facile. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Pour donner la vérité, il faut questionner l'acteur principal. C'est ça. Pour donner la vérité, il faut pouvoir poser sa question. Pour poser sa question, il faut être présent. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Vous êtes revenu. C'est ça. Vous êtes en fait, le problème, avant que vous n'étiez pas là. Avant que vous me répondiez, monsieur le président, il faut préciser que parmi les missions du CSC, le conseil, donc le Conseil supérieur de la communication, doit également œuvrer à garantir le droit d'accès des organes de presse aux sources d'informations. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et c'est la dernière partie de son intervention là qui est toute la clé du problème. On n'était pas là. Donc la difficulté est arrivée. Bon, encore une fois de plus, les situations d'instabilité ne sont vraiment pas bien. C'est difficile pour tout le monde. Et la situation difficile que nous vivons, si vous voulez, les autorités politiques sont dans cette difficulté-là, sont appelées à trouver des solutions dans cette situation difficile. Donc j'imagine que pour eux aussi, c'est pas facile. Il faut faire des sortes d'acrobaties pour trouver la bonne posture dans cette situation est difficile. Sinon, la restriction de l'accès des médias, des journalistes à ces sources d'information, j'allais dire émanant des autorités publiques, effectivement, d'un point de vue de l'accès à l'information, ça cause problème. C'est-à-dire que on a besoin, dans une situation normale, dans une situation de démocratie normale, que les journalistes aient accès à un certain nombre d'informations liées à la gouvernance de notre pays. C'est tout à fait juste. Et quand j'ai rencontré il y a 2-3 jours de cela, les responsables des organisations professionnelles des médias, ben, c'est la charge qu'ils m'ont tous envoyée. Hein. Voilà. Vous n'étiez pas là, voilà ce qui nous est arrivé. Donc nous, on vous demande de voir ce que vous pouvez faire avec les autorités nationales pour qu'ils règlent ce problème. Et ce sont les éléments qu'il a cités là. Ouais. Bon, nous avons engager les discussions avec les autorités nationales, avec le ministère de la Communication pour voir ce qui peut être fait. Mais moi, dans ma compréhension, je ne cherche pas à leur jeter l'anathème, à les condamner a priori. Je pense qu'ils sont dans une situation difficile, dans laquelle ils doivent gérer une situation de crise
où les éléments d'information font partie des choses à gérer. Donc, ils cherchent la bonne posture, la bonne manière de faire. Et je pense que ce qui décide, là, il faut intégrer ça dans la décision de quelqu'un qui est dans une situation de difficulté. Voilà, c'est comme on dit courir et puis se gratter. Voilà, c'est pas simple, c'est difficile. Mais si on rentre en dialogue, si on se parle, ça peut permettre que on se comprenne. Parce que, au fond, les autorités gouvernementales, les militaires, l'armée, les journalistes, nous tous nous travaillons pour le seul et même peuple, pour la seule et même nation. C'est seulement que chacun, du point de vue de sa responsabilité, en voulant assurer sa responsabilité, ne regarde pas forcément ce que l'autre fait ou ce dont l'autre a besoin. C'est pourquoi on a besoin de dialoguer. Et je pense qu'avec le retour du Conseil supérieur de la communication, si on intensifie ce rapprochement, ce dialogue-là, ça peut permettre que ces autorités-là comprennent les attentes des médias, que les médias aussi comprennent les attentes aussi des autorités, qu'on trouve un terrain d'attente. Et voilà, un terrain sur lequel bon, les préoccupations sont prises en compte. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on a au bas mot 600 médias qui existent. Moi, je vous dis, dans ce contexte de crise-là, vous voyez le chef de l'État dans sa communication, 600 médias, qu'on voit 600 journalistes, choses, c'est pas forcément évident. Donc, ils vont essayer de dire... Jusqu'à récemment, c'était toujours le même nombre, hein, mais on avait accès, c'était organisé, je veux dire. Mais je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il faut continuer la réflexion pour trouver la bonne posture. Je pense que s'ils ont des craintes, ils ont des préoccupations. Il faudrait aussi que nous, en tant qu'acteurs médiatiques, on accepte aussi de prendre en considération leurs préoccupations. C'est ce que je dis, la gouvernance dans le contexte de crise sécuritaire. Je pense que eux, leurs préoccupations clés, ils sont beaucoup plus focalisés sur la question de crise sécuritaire. Et nous, on est focalisé sur notre besoin d'avoir de la ressource pour informer notre opinion publique, qui en situation de crise demande beaucoup des informations. Et c'est pourquoi je pense qu'on doit se rapprocher, on doit se parler, pour que chacun tienne compte des préoccupations de l'autre. Et moi, je pense que ça peut aboutir à des résultats intéressants, parce que au début de la crise sécuritaire, et je suis bien placé pour vous le dire, parce que si j'avais conduit ce dialogue-là entre acteurs médiatiques et FDS, à l'époque, avec l'appui du PNUD que je salue de passage, on a pu organiser trois grandes rencontres où les FDS et les journalistes étaient face à face, parce qu'on s'est marché sur les pieds. Les FDS disent les journalistes nous empêchent de faire notre travail sur le terrain. Ils disent des choses qui nous empêchent d'être efficaces. Les journalistes disent les FDS ils ne nous permettent pas de faire notre travail. Quand on va voir eux, ils ne nous donnent pas l'information, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Mais ce dialogue-là a permis d'établir des canaux de communication, faire en sorte que les journalistes avaient des répondants auprès des FDS et que les FDS avaient aussi des répondants. Et que bon, en cas de besoin, chacun savait voilà, quoi dire à qui et sait comment l'autre fonctionne. Et je pense que ce dialogue-là peut davantage aider à ce que on comprenne les uns les attentes des autres. Oui, je vois. Un commentaire, mais je sais que le président va réagir aussi, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est que on a plus la perception non du partenaire, mais de la méfiance. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Oui. La nature, vous le disiez à un moment donné, a horreur du vide. Si nous ne disons rien, si nous n'avons pas assez d'éléments, c'est les autres qui diront des choses que nous ne pouvons pas contredire. Et puis, on est en guerre. L'autre volet de la guerre, là, c'est aussi la communication. Je dirais même un peu plus loin. Propagande, et je pèse bien mes mots. Parce qu'il n'y a pas de neutralité dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est vrai. Soit vous accompagnez parce que vous espérez quelque chose, soit ce que vous appelez peut-être neutralité à un moment donné, là, ça risque d'être autre chose. Okay. Mais accompagner, là, ce n'est pas aussi de l'encensement ou bien être un laudateur. C'est ça. C'est de savoir bien faire son travail et qui serve les intérêts du Burkina. Et je pense qu'aujourd'hui, les médias y sont. Ceux qui sont en face, ils font aussi leur propagande. On a eu une rencontre il n'y avait pas longtemps où ils ont même osé, vous nous avez fait écouter, appeler à une émission pour donner leur message. C'est vrai. Regardez jusqu'où ils sont. Ils prennent leur, je parle des terroristes qui prennent leur téléphone, qui appellent à une émission pour donner son message. Mais on peut, c'est ce contexte-là dans lequel on est. Donc, c'est plus, je pense que c'est ça. Il faut le discours que nous sommes des partenaires. Oui, oui. Et là, il y a des Burkinabés qui attendent beaucoup. Il y a des éléments qui arrivent. Ils n'ont pas
l'information sur qu'est-ce qui s'est passé, comment. On ne demande pas de tout donner, mais il y a des bribes dont on a besoin. Et vous, en tant que journaliste, un, vous n'arrivez pas à rencontrer l'autorité, et puis deux, il n'y a pas un espace pour le questionner. Je crois que c'est un peu compliqué. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et je voudrais saluer cet espace d'échange que nous avons eu la fois dernière autour de ces émissions d'expression directe. C'est ça. Aujourd'hui, il y a le risque que des groupes armés terroristes appellent sur nos émissions les médias de la République pour faire leur propagande, comme vous dites. Et moi, je suis d'accord avec vous. Le fait que vous dites que les médias sont plutôt des gens qui sont engagés dans dans les préoccupations de la République. Parce que quand on a eu cet échange-là, je voudrais vraiment saluer les propositions qui ont été faites par les acteurs médiatiques. C'est-à-dire que nous, face au problème, ce qu'on s'est dit en tant que régulateur, appelons les acteurs médiatiques pour qu'on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et ce dialogue que nous avons eu, honnêtement, je vis dans la posture des responsables des médias et des animateurs des émissions interactives là, l'engagement pour dire oui, on ne peut pas laisser nos médias être utilisés par ces gens. Il faut que ils ont fait beaucoup de propositions qui peuvent aider dans ce sens. Je pense que c'est ça que nous, en tant que régulateurs, nous devons pouvoir porter à la connaissance des autorités pour dire voilà ce qu'ils sont prêts à faire. Donc, ce n'est pas des gens qui sont contre. Peut-être que nous devons comprendre ce dont ils ont besoin. Ce qu'on appelle les implicites de la profession de journaliste. Que eux, ils n'ont pas forcément. Nous devons leur faire comprendre ça et les amener à savoir que dans ce défi sécuritaire-là, les médias doivent être plutôt des alliés, mais pas des ennemis. Ils ne doivent pas être dans le groupe de ceux qu'on doit écarter. Mais je pense que ça, on ne peut l'obtenir que dans ce dialogue-là, dans ce rapprochement-là. Et le CSC est vraiment engagé dans cette facilitation pour qu'on se comprenne davantage. Oui, Bernard Bourgman. Oui, justement. Il faut qu'on se comprenne davantage. Donc, on a un front en ébullition. Ailleurs, effectivement, les dirigeants impliquent les médias dans la collecte de l'information, même au front, pour que ce soit effectivement ça. Mais ici, bon, on vous envoie des images, vous ne savez même pas s'il a fait le déplacement, c'est dans quel angle mort il a filmé, et tout, mais vous diffusez sans avoir la preuve que, parce que vous n'avez eu aucun pouvoir, effectivement, vous êtes fié à la seule volonté d'une direction de communication. Pour preuve, quand les bribes de phrases de l'ancien chef de l'État, d'Amiba, sont sorties, où il parlait de, comment on appelle ça, dans sa sortie à l'Ouest. Certains ont commencé à en vouloir aux médias d'avoir diffusé des extraits vidéo qui ridiculisent le chef de l'État. Alors que non, c'est venu de la présidence. En dehors de la rencontre de Bobo, il y avait des hommes de médias à l'intérieur de la salle. Il y a des bruits d'infos où c'est venu seulement de la présidence du Faso. Donc, les médias n'y étaient pour rien, mais on a été accusés à tort dans cette affaire-là. Donc, c'est pourquoi c'est un commentaire que je fais, que nous devons effectivement nous parler. Travailler pour impliquer davantage les populations, je pense que c'est tout à fait juste. Et c'est ce que le juge Vaha disait. Et la communication ici n'est pas neutre. Et ça, je suis très content de vous l'entendre dire. Ce que vous dites, ça peut aider à résoudre le problème comme ça peut détruire. Et moi, en échangeant avec vous, j'ai remarqué qu'il y avait des acteurs qui sont plutôt conscients du fait que leur travail doit plutôt aider à résoudre le problème. Je ne peux que vous encourager dans ce sens-là. Chaque fois que vous devez traiter de ces questions-là, il faut penser toujours à l'effet que peut avoir votre discours, à l'effet que peuvent avoir vos choix de communication sur la fragilité du pays, sur le contexte de tension sociale que nous vivons. Mais en même temps, ce que je dis, c'est qu'il faut que le message s'adresse aussi à nos concitoyens pour qu'on leur dise qu'aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité, chacun de nous, qui sommes actifs sur les réseaux sociaux et dans les émissions d'expression direct. Si nous nous exprimons mal, c'est nous qui allons davantage fragiliser le pays. Faisons en sorte que notre communication renforce encore les liens, aide les Burkinabés à être encore plus ressoudés, parce que c'est ensemble qu'on peut être fort, c'est ensemble qu'on peut relever ce défi sécuritaire-là, parce que c'est la nation qui est attaquée, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une religion, c'est le Burkina Faso qui est attaqué, et donc tous les Burkinabés doivent pouvoir se mettre ensemble pour faire face à ce défi. Ensemble, unité, union, soyons focus sur la nation et restons soudés pour combattre
ce titre terroriste. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité consacrée aux travaux d'Hercule du Conseil supérieur de la communication au CSC avec son président Abdoulaziz Bamogo. Merci Monsieur le Président d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Bernard Boukma, merci. Merci Président. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV pour votre attention et pour votre fidélité. Notez aussi que rien ne vaut la vie et que nous devons mettre la nôtre au service de l'intégrité, de la vérité et de la solidarité. Prenons donc soin les uns des autres en attendant le prochain numéro du tribunal de l'actualité, la prochaine audience donc, dès demain, même heure et mêmes antennes, toujours avec un maillet aussi juste, incisif et sans complaisance.